La vie de Bukavu a vécu ce mardi au rythme de l'ONG Initiative Plus au stade de la Concorde de Kadutu. L'épouse de Joseph Kabila a remis des matériels de construction des maisons à des milliers de sinistrés des communes de Kadutu, Ibanda et Panza. Notre envoyé spécial revient sur l'événement. C'est sous un soleil accablant qu'elle effectue son entrée au stade de la Concorde. En lieu et place des supporters, ce sont ces populations qui attendent un geste de bienfaisance de l'ONG Initiative Plus. Ici, on peut retrouver matelas, tôle, pagne, mais aussi un soutien financier. La cérémonie commence par une prière, suivie d'un message réconfort de l'épouse de l'ancien président de la République. Nazani, Mimi, Kama, Mama Olive, présidente wa ONG Initiative Plus, nimekuja ili niwape kwanza pole kumagumu yote yewe nilipata. La joie était indescriptible pour ces familles qui voient en ce geste un moyen de reconstituer les familles. Comme promis, Marie-Olive Lembe Kabila commence par donner le ton en procédant personnellement à la remise de dons. Pour les bénéficiaires, ce geste est salvateur. Vraiment, je manque de mots pour exprimer les sentiments que je peux dire. Nous sommes fiers de notre chère maman. Elle est tout pour nous, si je peux le dire. Moi, la chose qui me rassure beaucoup, c'est cette parole d'amour qu'elle vient de nous donner. Maintenant, nous sommes bénéficiaires. Regardez, quel honneur. Ce n'est pas n'importe qui. Chez nous, à Bouchi, ça, c'est une pièce de pagne très honorée. Vraiment, elle a montré comment une femme ne peut pas être oubliée. Pour cette action, celle qu'ils appellent affectueusement Mama ni Mama a promis de rester jusqu'à la fin de la distribution complète des dons. Les gouverneurs des provinces de l'Ituri et celles du Nord Kivu ont organisé conjointement à Biakato, en territoire de Mambasa, un meeting populaire pour sensibiliser les populations de cette partie du pays aux mesures à prendre vis-à-vis de la maladie à virus Ebola. Jean Bamani Sassaïdi et Karline Zazoukasivita en ont profité pour demander aux jeunes actifs dans les groupes armés à les quitter car la persistance de ces groupes armés freine les investisseurs. Patiko Kaoundama. C'est à bord de l'hélicoptère de la MONUSCO que le gouverneur de la province du Nord Kivu s'est rendu dans la province de l'Ituri. À son arrivée à Biakato, dans le territoire de Mambasa, il est accueilli par son homologue Jean Bamanisa. Sur place, les deux gouverneurs vont aller animer un meeting populaire afin de sensibiliser les populations de ces coins à la lutte contre la maladie à virus Ebola. Karline Zazoukasivita du Nord Kivu demande à cette population de laisser le partenaire du gouvernement congolais de continuer avec quelques projets de développement. Pour le numéro 1 du Nord Kivu, ce n'est pas normal que la résistance face à cette épidémie d'Ebola se trouve dans les territoires de Mambasa. Il y a plus de terrain que nous puissions mutualiser nos efforts pour que la maladie puisse être vite vaincue. Nous avions voulu apporter notre voix comme gouverneur de la province du Nord Kivu parce qu'il y a des habitants du Nord Kivu qui vivent ici, qui font des champs ici, qui peuvent être atteints de la maladie à virus Ebola, mais il y a aussi des échanges très fructueux entre l'Ituri et le Nord Kivu. Des questions sécuritaires ont été également évoquées entre Jaba Manissa et Karline Zazoukasivita. Ici, l'objectif est d'inviter les habitants de Biakato à se désolidariser des groupes armés actifs au Nord Kivu et en Ituri. Jaba Manissa a aussi profité de cette occasion pour parler développement. Ainsi, selon lui, la route Beni jusqu'à Mambasa en Ituri doit être réhabilitée. Signalons que le gouverneur du Nord Kivu a été accompagné en Ituri par quelques députés provinciaux élus de la région de Beni. On va parler du programme des 100 jours du chef de l'État dans son volet infrastructure. Une réunion d'évaluation à mi-parcours des travaux a eu lieu ce mardi entre le vice-premier ministre, ministre des ITP Willing Gopos et les entreprises qui exécutent les travaux. Le vice-premier ministre a été rassuré de l'évolution des travaux, notamment la construction des sauts de moutons qui, pour la plupart, prendront fin d'ici décembre. Suivez.
Autour du vice-premier ministre, ministre des infrastructures et travaux publics, l'OVD, l'office de route et cette société de construction qui travaille avec les entreprises qui ont la charge de l'encadrement et du suivi de l'exécution des travaux, il était question d'une évaluation à mi-parcours du programme des 100 premiers jours du chef de l'État dans son volet infrastructure. Il y a des projets qui sont terminés, qui attendent l'inauguration, notamment la venue Luambo-Makiadi, qu'on appelait autrefois Bokassa. En ce qui concerne les sauts de moutons que tout le monde attend, celui des pompages va être terminé rapidement, je crois qu'à fin octobre, tout au plus première semaine de novembre, et pourra être livré, réceptionné. En ce qui concerne l'office des routes, nous travaillons sous la voie rapide entre les changés délimités à l'aéroport d'Injili. Là aussi, les quatre sauts de moutons qui sont programmé. Tout ce qui concerne la commande des profilés pour les superstructures sont effectués à 100%. Les travaux sur site se déroulent bien. Il est prévu qu'on livre 6 ouvrages. Willing Opos a également montré son intérêt pour la route Kulumba. C'est l'intérêt de cet axe routier d'avoir donc une voie de déviation pour permettre à ce que ceux qui doivent quitter la ville pour aller vers l'aéroport. Ces entreprises de construction ont à leur tour réitéré leur soutien au gouvernement congolais. Il a stigmatisé le fait que nous sommes des partenaires, il a stigmatisé le fait qu'il était là pour trouver des solutions. Nous avons beaucoup apprécié le fait qu'il nous a pris comme des partenaires et il veut qu'ensemble nous puissions reconstruire le pays. Le plan d'urgence mis en place par le vice-premier ministre des ITP après les dernières pluies diluviennes a également été évoqué. Le ministre de l'Aménagement du Territoire âgé, Matemo, a reçu en audience la délégation du Bureau d'études de l'aménagement et de l'urbanisme conduite par son directeur général Gabriel Kakonde dans son cabinet de travail. Des grands changements sont attendus, notamment la délocalisation de certains cimetières et camps militaires. Suivez. Le ministre âgé Matembo Toto a fait une descente au siège du Bureau d'études de l'aménagement et de l'urbanisme à Kinshasa. Objectif de cette visite, prendre contact avec les animateurs de cette structure œuvrant dans son secteur. J'ai lancé ma vision de la création de l'aménagement des jardins de Mots. J'ai lancé la vision sur la délocalisation et l'aménagement des camps militaires, camps police. Mais j'ai trouvé déjà des études qui m'ont précédé. Après un échange avec ses interlocuteurs, il s'est rendu compte que les études minutieuses sur la délocalisation des camps militaires ainsi que la problématique des cimetières ont été menées par cette structure. Dans les soucis de la mise en œuvre de ces deux projets prioritaires, à savoir la création des jardins des morts et la délocalisation des camps militaires, le patron de l'aménagement du territoire, qui dit avoir déjà les quitus des hauts responsables du pays, pour ce faire, a accordé une audience au cadre du bureau d'études et de l'aménagement d'urbanisme dans son cabinet de travail. L'excellence nous a fait venir pour donner des instructions et des orientations concernant les travaux urgents que le ministère compte nous confier. D'ici quelques jours, nous venons de rendre compte de l'état de ces dossiers. Le ministre âgé Matembo Toto a indiqué avoir déjà mobilisé les fonds nécessaires pour la mise en œuvre de ces deux projets urgents. Une commission interministérielle pour la mise en place du projet de la délocalisation des camps militaires en RDC va être créée et sera portée par le ministère de l'aménagement du territoire. Cette commission interministérielle aura plusieurs tâches, notamment l'identification des camps à délocaliser dans l'ordre utile, l'identification des sites pour la délocalisation, le choix des sites aménagés, les nouveaux camps militaires, la conception du projet des nouveaux camps. Le budget d'investissement de la province du Sankuru a été au centre des échanges lundi entre le vice-ministre du budget Félix Momat et les ministres provinciaux en charge du budget et des finances de la province du Sankuru. Plus de détails dans ce reportage. Auprès du vice-ministre du budget Félix Momat Kitenge, Pierre Wembo et Kaiser Mans, respectivement ministre provincial du budget et celui des finances, sont venus faire un plaidoyer en faveur de leur province, le Sankuru, concernant le budget d'investissement. Il nous a instruits et nous a prodigué des conseils. Voilà, c'était en ce qui concerne ça que nous sommes venus le voir. En dépêchant ses deux membres à Kinshasa auprès du gouvernement central pour ce plaidoyer, l'exécutif provincial du Sankuru
est conscient du timing restant, mais il garde encore l'espoir. Oui, il y a toujours de l'espoir. Quand on vient voir une autorité budgétaire, il y a toujours de l'espoir. C'est vrai qu'il nous a dit que la période est difficile, surtout qu'on est à 2 semaines de la clôture. Et par la suite, on va voir. Au Maniema, le gouverneur de la province a échangé ce mardi avec le président de la fondation Alingui. Au cours de cet entretien, il était question pour le président de cette structure, Maître Alingui Boya, de présenter à Ogui Moussafir les activités de sa fondation. Maître Alain Alingui Boya indique que sa structure vient de construire au profit de la jeunesse de Kindu un bâtiment de l'école Mamboléo dans le quartier de Bassoko. Dans le cadre de ses activités, le président de la Fondation Alingui a procédé au lancement du tournoi interscolaire organisé avec l'appui technique de la Ligue de football du Maniema, sous le haut patronage de la province du Maniema. La Fondation Alingui travaille dans l'accompagnement de la jeunesse congolaise ainsi que le groupe défavorisé au sein des communautés identifiées en milieu rural et urbain à trouver des solutions appropriées et durables pour mieux lutter contre la pauvreté. C'est dans cette optique qu'elle mène ses activités dans les domaines de l'agriculture, la santé et l'éducation. Le gouverneur était réceptif à tout ce que nous lui avons dit et il nous a vraiment encouragés à continuer à poser des actes de bienfaisance parce que même dans les grands pays aujourd'hui, l'État est toujours accompagné par des organisations non gouvernementales qui aident. L'État ne peut pas tout. Voilà pourquoi il est important que les ONG puissent contribuer au lieu d'être là pour pouvoir critiquer seulement le gouvernement provincial, mais il est mieux de venir accompagner, soutenir le gouvernement provincial pour que le gouvernement provincial aille de l'avant. En réaction, le gouverneur de la province a été réceptif aux activités de la Fondation Alingui. Il les a encouragés à continuer à poser les actes de bienfaisance. Pour Ogui Moussafiri, il serait mieux que les ONG puissent travailler dans le sens de contribuer au développement de la province.